J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de pam 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 pam. Aujourd'hui, la vidéo, Elodie va nous dire c'est quoi son verset préféré et pourquoi c'est ton verset préféré. D'accord. Mais avant, tu vas répondre à des questions que j'ai écrites sur mon téléphone. Ok, je suis pas du tout préparée, je savais pas. Alors tu as 20 secondes pour répondre à des questions, tu vas dire ok ou pas ok pour être chrétien de le faire ou le pas. Le stress. Ok, d'accord. On y va, première question. Manger sans avoir prié. Ok. Vivre avec son fiancé. Ok. Débattre à plusieurs sous la prêche du pasteur. Ok. Aller en boîte de nuit avec des amis. Ok. Utiliser l'instru d'une musique mondaine pour une musique chrétienne. Ok. Pardonner une personne pour une erreur déjà commise. Ok. Aimer Jésus plus que ses proches. Ok. Donner une Bible à celui qui demande à manger. De toute façon, ça a sonné, donc venez à la discussion. Est-ce que j'ai réussi? Il restait des questions. Oui, il restait des questions. Il restait... trois questions. Bon, ça va. Ouais, ça va. J'ai été quand même assez rapide. Hein. Ouais. Elodie, quel est ton verset préféré? Alors, je vais vous le lire. Il est dans Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En fait, c'est mon verset préféré parce que tout simplement, moi, j'ai toujours baigné dans une famille chrétienne et je connaissais du coup la parole. Mais quand ce verset s'est révélé vraiment à moi, je me suis dit qu'en fait, vraiment, je ne peux pas être sauvée par ma famille, ni parce que ma famille est chrétienne, ni parce que je vais à l'église. C'est vraiment si je reconnais Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et sauveur, que tu seras sauvée. Parce que j'étais persuadée que voilà, le fait que je sois née dans une famille chrétienne, je n'avais pas trop d'efforts à faire, que je connaissais déjà tout sur tout. Même le baptême, j'y songeais même pas. Tellement en fait j'étais dans cette atmosphère où je me suis dit bon bah non je suis chrétienne parce que je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai déjà le salut. Et en fait non, en fait on est tous pécheurs, on est tous à la même échelle, on est tous pareils et face à Dieu on est tous égaux. Et ça c'est déjà juste dans un monde qui est injuste. Bah ça c'est une loi qui est juste, et il n'y a que par Jésus qu'on peut obtenir le salut. Donc voilà, c'est mon verset. Voilà. Ben, c'était ça la vidéo, la première vidéo. Partagez un verset et vous verrez qu'il y aura d'autres invités qui vont nous partager aussi leur verset préféré. N'hésite pas en commentaire à nous dire quel est ton verset préféré et pourquoi. Ok, toi aussi tu joues le jeu. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!